Bon matin, jour numéro 39. Hier, quand je me suis envenu après les chutes, la pluie a commencé et il a mouillé toute la journée. Toute la journée que je suis arrivé à Damascus. Il a tellement mouillé que j'ai passé tout droit devant quelque chose qui était important pour moi, quelque chose que je voulais vous montrer. Et c'est la frontière Tennessee-Virginie. Je l'ai passé hier sous la pluie, probablement parce que je marchais la tête baissée ou quelque chose du genre. Je ne l'ai pas vu. J'ai rien vu pendant tout. J'ai eu comme un éclair juste quand je suis arrivé à Damascus. Ça fait que j'ai pas pu faire ce que je voulais. Je l'avais pas fait sur les deux autres frontières, mais j'aimerais bien ça, essayer de commencer une tradition. Un petit coup à chaque frontière. Je vais essayer de l'ouvrir. C'est bien dur, c'est bien fastidieux ça. OK. Fait que ça, c'est le parc de Damascus. Au bout, là, la bosse que vous voyez, il y a un shelter, pareil comme qu'il y a en montagne, mais on n'a pas le droit de dormir là, dedans. Il est là comme apparence, il est là juste pour faire beau. Je voulais faire mon shot là-bas, mais il y a une gang de jeunes locales dans ce coin-là qui ont élu domicile dans ce shelter-là pour la journée, j'ai l'impression. Fait que ça ne me tentait pas d'aller... au travers. Fait que je suis ici, à côté du train, à côté du pont, à côté des toilettes, à côté de tout ça. Et j'ai mon électronique qui est en train de recharger ces prises-là en même temps. J'en profite. Donc, pour la frontière de la Géorgie, pour la frontière de la Caroline du Nord, et pour la frontière du Tennessee, chin chin. C'est fort, c'est... Sur cela, je vous laisse. N'oubliez pas que pour le bien-être de mon pied, j'ai décidé de prendre 4 jours de congé. Que je vais essayer de respecter. Je me suis même acheté une nouvelle paire de souliers. Je vais me donner toutes les chances possibles de mon côté. Je ne sais pas si je vais être capable de faire un 4 jours. Là. J'avoue que c'est vraiment difficile sur l'orgueil, sur la morale et surtout de dire que bon, il fait beau, toute la quête. Puis j'avance pas. C'est ça l'objectif de la trail, hein, c'est d'avancer. Mais je vais piler sur mon orgueil puis je vais essayer de rester le plus longtemps possible. Je vous promets pas un 4 jours, mais au moins une journée ou deux. Je vais essayer de faire de mon maximum. Sur cela, je vous laisse. Il ne se passera pas grand-chose d'autre aujourd'hui.